Serge, je peux vous aller bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve sur Rising Storm 2 Vietnam donc, pour tester ce nouveau jeu. Donc on est sur la carte An Lao Valley en mode suprématie. Donc la suprématie ça s'apparente un peu à un mode de chaîne et de conquête. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout au long du jeu. Donc il faut savoir que ce FPS donc, est sorti le 30 mai. Donc la vidéo je pense que je vais vous la poster dans la nuit du 31 au 1er juin. Donc ça arrive progressivement. Donc il y a différents serveurs. Il faut savoir que là, pour la première nuit, parce que là je suis en train de filmer pendant la nuit, du 30 au 31, on était à peu près 20 000 joueurs. Il faut savoir qu'il y a un décalage avec les Américains. Ce qui est quand même pas mal avec à peu près 600 serveurs. Donc là je suis tombé sur un serveur français, donc j'y suis allé à un conflit de canard. Super sympa, l'ambiance est cool. Donc vous avez le choix entre choisir américain ou vietnamien. Ça dépend, vous avez deux types d'armées, vous avez donc l'armée de terre américaine, sinon l'US Marines, et sinon bah l'armée populaire du Vietnam ou le Front de Libération, voilà. Apparemment on m'oblige à prendre les Américains. Donc là vous avez plusieurs choix de classe. Le Grunt qui est tout simplement un soldat de base. Le Pointman qui est l'homme l'homme de tête qui est là pour opérer. Qui possède un fusil à pompe avec sinon un mitraillette de la Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez le voir. Lui il a le M14 ou le M16. Vous avez le Machine Gunner donc qui le soutient, qui n'est pas disponible parce qu'il y en a 3. En fait, vous avez les capacités maximum. Là c'est à l'infini, là vous avez une capacité max. Donc il y en a que 3. Vous avez le tir d'élite qui vise le verrou. Le ingénieur qui possède le C4 et tout, qui possède différents, qui a le lance-flamme, sinon le fusil à pompe. Le grenadier qui a tout simplement un lance-grenade et un pistolet, voilà. Le radioman, le commandeur. Et après des deux trucs pour le pilote, en tant que pilote, ça change quoi. J'ai oui, avec ça de base pour commencer. Vous avez quoi les squads? C'est des squads de 6. Des squads qui est un peu rempli. Game. Ah, attendez, je vais te montrer un truc que vous pouvez faire, c'est quand par la suite vous débloquez, vous pouvez personnaliser en fait vos personnages. Ça c'est cool, du coup tu peux leur changer la gueule, mais bon, ça va arriver petit à petit, il y aura des nouveaux trucs en plus. Là, bon, pour le moment on a juste un truc de base. Voilà. On a ça, voilà, c'est tout. Ok, tu vois tu peux choisir ce que je te disais pour changer leur skin. Enfin, voilà. We have taken Delta. Donc ça ce que je te disais c'est un peu du chain link parce qu'en gros tu vois le point F on part sur le point E, faut que tu capes le point E tu peux aller sur le point C ou D mais tu peux pas aller directement sur le point B. Donc faut que tu capes le point C ou D tu peux aller sur le point B. C'est vraiment pas mal, ça t'oblige à te regrouper à certains points et c'est vraiment cool. Tu vois, parce que c'est assez linéaire. Et eux ils ont fait un truc pour que ça soit en gros vers voilà, lui de la map, tu vois. Tout le monde part sur chaque côté, enfin sur deux côtés, donc tu as deux possibilités. Et pour ceux qui se demandent la question, est-ce que je suis en ultra, non, je ne suis pas en ultra, je suis en normal, en médium. Enfin je peux faire tout en ultra, mais je préfère favoriser la qualité et laisser le. Laisser le jeu en médium pour avoir plus de performance. Oh putain comme il pilote. Ah énorme. Moi je descends. Ah ok c'était F. We are taking Bravo. On va essayer d'aller donner un coup de main. Il faut pas trop jouer pour un. Ouais, après il faut jouer un peu plus statique et tu vois parce que tu vois en plus il y a le team kill qui est activé et il faut surtout pas confondre tes potes avec les ennemis parce que tu te fais allumer assez facilement. Premièrement ça, oh putain. Dude, no, let me show you a place. We have taken Bravo. Voilà, en plus en 6 petits cas, 70 mètres, il y a du monde. Non, 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 you don't play well. Let me show you. Attention, one second. Foxtrot is being attacked. Allez, escalade. Non, putain, je me suis tué. Ça, c'est le troll. Vraiment, les petites chutes. Tu vas voir, de toute façon, à droite, voilà, bon, là, il y a eu la chute pendant des ans. Ici, là. C'est bande de tension, vous allez voir.
va le sembler être pour moi, donc fais gaffe. Bravo is being attacked. We are taking Charlie. Bah, je me fisse qu'il y en avait encore un. Putain, le jeu est vraiment magnifique. Alors pour ceux qui se posent la question. C'est Rising Storm 2, forcément oui il y a le 1, alors le 1 c'est le même système, mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le fond pacifique, donc on voulait rester un peu dans la même ambiance, l'ambiance tropicale on va dire, et du coup ils ont fait en fait Rising Storm 2 Vietnam, mais on est sur le côté pacifique. We have taken Charlie. Mais c'est dommage que tu voyais pas la distance, enfin tu voyais que la distance, tu voyais pas où est-ce qu'il est le mec. Alors ce collecteur est un rocher dans un baragon. Oh putain c'est sacrément haut. Charlie is being attacked. Tu vois, il y a un tunnel apparemment. En fait, les Vietnamiens peuvent accéder plus rapidement à des points quand c'est des tunnels, non, et des déploiements, enfin des insertions en fait par hélico. Et eux, ils ont en fait des déploiements justement grâce au tunnel. Le tunnel qui fait gaffe, je sais pas si c'est moi qui l'ai eu, je ne crois pas. Ah si, c'est bon. Il faut vraiment faire gaffe. Il faut savoir que c'est très, très... Vous avez vu comment il a volé? C'est très réaliste parce que il faut savoir que les Vietcong avaient beaucoup de tunnels. De partout on va dire dans les jungles et tout pour pouvoir se rejoindre, encercler assez rapidement l'ennemi et pouvoir se regrouper. Ils avaient des tunnels qui faisaient même des fois je crois quelques centimètres, enfin 10 et 2 cm sur les côtés, donc juste laisser passer et ramper tu vois. Ok donc là on a un switch côté Vietnam, donc là c'est la gagne, voilà la revanche. Et du coup je vais rester avec l'arme de base, tu vois ce que je disais, mais eux ils ont d'autres armes différentes tu vois. Hop ça, le masque, d'ailleurs masque qui est une mitraillette manufacture arme, je dis des conneries moi. SMG donc qui est une mitraillette française. Ils ont le fusil à pompe pour. Après, y a pas de s'il y a des variantes, French original, Viet modified. Là c'est ça, bon, ça peur. On va rester avec le truc de base. Comme je disais, en fin de game, on va tester un peu le truc de base. Et celui il a. Qu'est-ce qu'il y a, est-ce carabine ou AK. Bon on va rester sur le AK. Et bah, tu peux voir les variantes. Tu gagnes en mobilité, mais on va garder quand même. We have a lost Echo. We have taken Bravo. Delta is being attacked. Ah, je suis quoi leader. Pour lui acheter il a pas tant que ça hein. Ça me gêne pas trop. Putain la jungle elle est luxueuse, c'est un truc de fou. Dark
sais qu'il va falloir faire gaffe. We are taking Charlie. Il passe non pas encore d'ennemis sur le point C, mais nous, il progresse donc. We have a lost Delta. C'était caché là-dedans, mais là. C'est vrai qu'il y a d'autres matchs, hein. T'as le Hacking qui me semble juste un espèce de match à mort. Tu as un autre mode genre un peu qui s'apparente à de l'opération. Et c'est, ça c'est vraiment... Je vous ferai essayer tous les modes, vous inquiétez pas. Là pour moi c'était juste pour tester le mode principal. Donc, je dis ça mais c'est pas le mode principal. Vous avez vu que le point donc du coup on aurait le KB. Putain j'ai peur. We are taking Delta. Donc on a pris le point C. Oh, regarde-moi toute la concentration qu'il y a au nord. Ah, il y a du monde à gauche. Je vais voir. J'ai vu un truc qui pouvait être sympa. Ah, les mecs, c'est suicidé. Ouais, tu peux changer le champ coup par coup par. Anti-air's defenses are active. Ce boss qui s'est posé pas loin. C'était pas un ennemi. Ils sont plus très loin. Hein. J'ai eu le mec. C'est ce que je pensais. Bon, je sais pas. Ah, le 2 c'est le niveau, d'accord. J'avoue, il a bougé. Putain, me fait peur. Bravo is being attacked. Et j'ai entendu le... Je sais pas, ok, c'est bon. Et il était pas loin, 21 mètres. We are taking Echo. We are taking Delta. Est-ce que je peux avoir une escouade avec un peu Charlie de... is being attacked. Cool, non. Il y a pas grand monde. Putain, mais ils ont tous fermé leur... leurs escouades, donc forcément... Bravo is being attacked. Je sais pas si je peux. Tu vois, donc en bas je disais tu peux voir sud. We have a lost Charlie. J'en ai eu 3.
J'ai eu le mec qui fuyait, son pote qui s'est tourné et ensuite le troisième. C'est pas mal. Surtout que j'ai tout fait. Donc tu vois ce que je te disais, tu peux mettre choisir tes armes, tu vois. Enfin choisir ta cadence. We have taken Echo. Une seule balle de katana, ça suffit pour tuer le mec, donc clairement pas besoin de vous embêter les gars. Et ben regarde, on va aller prendre F, hein. Je suis mort. Enfin, mon pote est mort cramé, mais moi, putain, j'ai bloqué dalle. Je ne sortirai pas parce qu'en fait, voilà, les peu de flammes qu'il y a peuvent vous tuer, donc bon. We have taken Bravo. Je le vois. Dans la tête, merde. Je te pue. Scout, report in. Il y avait même un pont au-dessus de la recharge. Ok, bon. Putain, tous les ponts. Ouais, il saura nous bloquer au spawn. C'est pas bon ça. Il y a un mec là. On va essayer de voir si on peut se le tour, de le trouver et de le buter. On my mark. We have a lost Delta. We are taking Charlie. Je vais prendre le poisson, c'est une blague ou... We have a taken Charlie. Je vais prendre le poisson. Entire
forces are active. Bravo is being attacked. Attends, je crois qu'on s'est tués tous les deux. J'ai entendu deux explosions. Ah non, il y a que moi. Putain. Dommage. Faut prendre l'initiative en fait. Ils sont nombreux là. Je sais pas ce qu'ils foutent dans la jungle. Yeah. Ah, ils sont un peu plus nombreux. Hop. Où est-ce que j'ai apparu? Oui, derrière tout le monde. C'est sur les rochers. Charlie is a big attack. Charlie is being attacked. Personne. Attack on my mark. On va tenter de prendre des. Si je crois pas au miracle. Charlie is being attacked.